Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode d'Elite Dangerous. Donc nous retournons dans une zone de conflit forte intensité, toujours dans le même système, dans le système Mourare. Nous allons continuer à prendre les mêmes gens, entre guillemets. On va aider la même faction que la dernière fois. En espérant que ça se passe un peu mieux quand même malgré tout. Parce que bon Dieu qu'on en chie. Où est cette... Elle est légèrement sur la gauche, j'ai l'impression. Freine. Interception. Allons voir. Propulsion à zéro, soumission à la cible. Bien, j'ai tout dans les moteurs. Soumission, j'ai dit. Ah, voilà. Ah, voyons voir. Qu'est-ce qui a eu la stupidité de m'attaquer? Hop, voyons voir. Quelle est notre cible, chers amis? Ça tombe bien. En bon début d'épisode que c'est. On tombe sur un trou du cul qui a tenté sa chance et son dos. De la flotte impériale. Qu'est-ce que vous voulez? Frameshift charge detected. Qu'est-ce que... Je suis attaqué pour le plaisir? Apparemment, je me suis fait attaquer pour le plaisir. Ça l'a même pas... Comme c'était un flic, il a considéré que c'était... Frameshift sympa. Charging. C'est sympa. 3, 2, 1, engage. On se fait agresser par les flics maintenant, c'est nouveau. Hop là. C'est parti. Et la guerre, mon adjudant. Voilà, on va dans fonction, on va dans choisir faction. On va choisir les verts comme d'habitude. On sort l'armement. C'est grave. Je sais pas ce qui m'attaque. Mais c'est vraiment un truc qui me fait mal. What? Putain, mais j'ai jamais été violé comme ça dans ce jeu. Ça continue. J'ai jamais été violé comme ça. La gueule, c'est vraiment violent. Mon bouclier recharge. Putain. C'était violent quand même. Je dirais en règle générale, la guerre est violente, mais bon, quand même. Allez, on y va. Shields online. La gueule. Ça m'est jamais arrivé un viol comme ça dans le jeu. Enfin, si, au tout début, mais pas avec le Viper. Allez, gueule. Bon, bah, c'est attaqué au petit. Hein. On va essayer d'en attaquer avec les petits et voir si on peut, par exemple, si c'est pas justement l'accumulation de petits qui nous met en danger. Ah.
bien. Voilà. Et de 1, 8000 crédits, parfait. Ici on a un Viper. On a tous son bouclier, mais qui est attaqué de toutes parts. Allons-y. Viper complète. Bien, j'en demande pas moins. Bien joué. Bien joué. Belle manœuvre, Esco. Hop. Ça fait une petite marche arrière pour se le prendre, pour le surprendre, pardon. Joli. Ah oui, il est compétent, je confirme. Oh, l'accélération, elle était belle. Cependant, je t'aurai. Je t'aurai, l'ami. Ouh, le malade. Il a tenté le sacrifice ultime. Les fêtes à la japonaise. Comme vous voulez. Et... ah, il s'est enfui, le sac. Non, parce que je l'ai pas vu s'enfuir. Aller aussi vite. Allez. Il est là. Mais comment il peut aller aussi vite? Le machin il est défoncé, il devrait caler toutes les deux secondes. C'est un gruyère. Bon bah écoutez, tant pis. Je pense qu'on a déjà fait trop de. Voilà, trop de détours. Écoutez, je trouve ça un peu écœurant la vitesse à laquelle il est parti, ça m'a surpris. Bon, 22 km, bah écoutez, tranquille. Hop les. Je veux du verre à droite, il est sûrement en train d'attaquer quelque chose. Bien écoutez, on va retenter le turbo, mais non, c'est pas encore le cas. Bon. On va le faire tranquillement. Ah, un autre Viper. Ah bah celui-là, on laisse pas s'échapper. Il a des bons boucliers. Et il fuit déjà. Oh, il aurait pu y avoir un beau contact là. Oh non, mais regardez ça, il s'enfuit encore!
Non? Ah non, celui-là il s'enfuit pas. Pas encore en tout cas. J'ai cru, je regardais la distance en fait, mais il est juste à côté de moi en fait. Je caresse le dos là. Ah mince. Eh oui, si je te verrouille pas, mes armes tirent tout droit. Par contre, je te perds aussi. Target shields offline. Il rebooste. On l'a eu, putain. Voilà, 20 000, bah putain, tout ça pour ça. Y a pas un qui a un problème par là, un Eagle. Bon, on va faire ça rapidement. On va essayer. Reviens petit gueule, reviens. Allez, allez, allez. À la poste. Oui, poussier, tout ça, à la poste. Arrêtez, elle était bien, elle était bien, elle était bien. Je vais pas vous jouer. Oh, et ton bouclier, il est si performant que ça. Dans le vaisseau. Ah bon, je crois pas qu'il en ait besoin. Hein. Pas qu'il ait besoin que je vise le générateur.
puisqu'il a bouffé déjà sur ce coup-là. Bah oui, reviens, tout à fait. Ça ne me pose pas le moindre problème. Voilà, 16 000 crédits. C'est toujours du bien. Bon. Où sont les zigotos qui m'attaquent? Toi, un python. Oui, je comprends mieux. Je me suis pris une rafale, vous l'avez peut-être vu. On va s'écarter un petit peu. En fait, si on pouvait avoir le petit coursier à côté, ce serait peut-être cool. Parce que ce coursier nous gêne un peu plus en fait. De par le fait. Mince, je vais attaquer. Oui, je sais que je suis under attack et que je prends cher. Ok, c'est l'heure de la fuite. Actuellement, nous avons sur nous pas loin de 52 000 crédits, ce qui n'est strictement rien. Si je souhaite prendre la fuite, le mode effet se détective. Allez comprendre. La vache, ils me suivent. Ils me suivent. Ils me suivent et j'ai du mal à distancier le coursier impérial. Allez mes petits boucliers. Allez. Ça veut pas. Hein. Ce coursier me suit, mais alors jusqu'au bout de l'univers. Au bout de 5 km, il faut demi-tour. Hein. Je tiens à rajouter normalement parce que j'ai peur que ce soit une erreur de ma part. Même pas hein. Putain, mais il va me suivre jusqu'où comme ça? Jusqu'à la planète Terre? FSD actif, je vais quand même pas sortir pour rentrer. Mais si. Il va me lâcher les bottes. Et non, ça ne me redonnera pas le bouclier. C'est un outil qui était utilisé avant par beaucoup de personnes en PVP, mais ça ne fonctionne plus. Hop, et on rentre. Crac. Ah putain, je dois être tout autour. Difficile à avoir celui-là, hein. Putain! Alors. On reprend une faction. Les verts. Ils m'ont tous suivi ou quoi? J'ai bien pris la faction. Bah alors. Bah alors. Est-ce qu'on aurait gagné? La partie. Ah non.
Il y a trois roues juste au-dessus de moi. Ça m'inquiète assez, je vais l'avouer. Ça, c'est le piton. Potentiellement mortel. Qui m'attaque? Mes fesses en prennent plein le... Voilà, je peux vous faire un dessin. Moi, ils sont pas online ces chiens. Target shields offline. J'aimerais bien un jour avoir mes deux canons en même temps, vous savez. Hop! Il y en a des points de vie sur ça. Oh! On va me crever un jour ou pas? Voilà, merci! 16 000, bon bah. Encore pas d'argent. Culture. Si c'est le piton là-bas, entouré de quelques-uns de nos ennemis. Ah! Pourrait être rentable. Je peux avoir le coursier comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Pourrait être sympa. Hop. Voilà, le piton, il est target destroyed. Juste. Tous sur le piton, je voulais l'avoir absolument. Par là, ma biche. Under attack. Eh ouais, je suis derrière. What? Ah non, c'est le nôtre. Putain, je vois un deuxième piton apparaître à l'écran, je fais non, c'est pas vrai. Voilà, 52 000, je fais toujours du bien. Et on va finir sur le petit dernier point rouge qui est là-bas, un Eagle.
s'il lui reste le moindre point de vie, hein, moi je vais y être. Oula! Il a voulu jouer au con celui-là. Aïe, 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 je me fais tirer dessus par le côté. Pas autre chose. Bah, vous allez vous calmer. Oh, bien joué. On a tiré une deuxième salve, le salaud. Under attack. Oh, passe pas devant moi. Pas son bouclier dans les 10 secondes. S'il vous plaît. Target shields online. Under attack. C'est chier. Target shields offline. Voilà. Explose. C'est beau. Merci. Bon, bah écoutez les amis, on va se rentrer. On va aller à là. Hop. Oh, un facteur de masse. Oh, là où qu'elle est coulée la station. Là. Elle est pas très loin, mais on va en chier à l'atteindre parce qu'on est très très près de la planète. Oh, oh, respectez mon autorité, bande de sacs. C'est mes fesses. Pas les vôtres. J'ai dit que c'était mes fesses. Ça y est, merci. Bon. Ah là. Accélérons un petit peu parce que nous à 130 km, à 150 km, 200 km, 250 km/h, on va pas arriver. Ah là. Allez. C'est parfait. Bon. Ça fait 100 000 crédits, on a réussi à abattre un python. Apparemment, le plus gros problème de ce truc, c'est la quantité d'ennemis. Je crois que je la vois. De là à savoir dans quel sens elle est, c'est une autre histoire. Il me semble que celle-là elle est comme ça. Landing gear deployed. Hop, et bah ça s'est plutôt bien passé. Entrons dans le hangar, service de spatioport, vous connaissez ça par cœur, chers amis. Alors. Crac, réparer, faire le plein pour aller acheter les munitions. Récompense de combat, 144. Toujours du bien par où ça passe, au niveau de ça on a rien. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.